que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles et bienvenue aux anciennes. On est de plus en plus nombreuses, donc merci à vous de me suivre dans mes aventures, de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires, etc. Alors les filles, comme le titre l'indique, on va tester ensemble un nouveau site internet qui s'appelle Eva Trends. Je sais que vous aimez bien les vidéos du style Shein, puisque j'avais arrêté et je vous avais posé la question sur Snapchat et vous avez été nombreuses à me demander de continuer. Donc du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie vraiment de tester les catégories que vous me soumettez, que vous avez envie que je teste. Donc là, le site internet s'appelle Eva Trends. Donc c'est un site internet qui propose essentiellement des vêtements pour femmes. Il y a aussi des accessoires, vous avez des sacs, des chaussures, mais essentiellement des vêtements. Donc si vous êtes une habituée des sites chinois du genre Romwe, Shinside, c'est vraiment différent dans le sens où bon, il y a déjà beaucoup moins d'articles. Et c'est quand même un style qui est aussi différent, je trouve. On va dire qu'il s'adresse peut-être un peu plus pour les jeunes femmes, moins pour les adolescentes, filles très jeunes, on va dire. Pour être honnête avec vous, au début, je me suis dit, bon, ok, on va tester ça et on verra. Mais j'étais pas très certaine de ce que j'allais recevoir, de la coupe, du tissu, etc. Et vraiment, j'ai été très surprise. Je vous avoue que j'ai été très surprise. Donc déjà, tout est arrivé hyper rapidement. Dans des sachets individuels comme ça, donc chaque vêtement était dans des sachets individuels. Mais je me suis dit, bon voilà, on va voir par rapport un peu à Chine, parce que les prix ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Les prix sont quand même assez... sont beaucoup plus chers que sur le site de Shein. Je n'ai pas choisi énormément de choses, j'ai simplement pris 4 articles. Et on va commencer avec, j'allais dire mon coup de cœur, mais je pense que le coup de cœur c'est celui que je porte ici, c'est la robe que je porte. Mais j'ai quand même vous parler de cette tenue que j'ai portée hier d'ailleurs, que je vous ai postée, je vous ai pas postée, je vous ai mis ça en Instastory. Et vous avez été nombreuses à me demander d'où ça vient, donc je vous ai dit ça va venir, je vais vous dire d'où ça vient. C'est un ensemble, il y a plein de couleurs, il y a plein de styles différents, hyper légers, donc qui se composent d'une longue tunique et d'un pantalon, et franchement... sont super à l'aise. Après c'est un peu transparent, donc du coup vous verrez que dans la photo que je vous avais mis sur Instagram, j'avais mis un sous-pull en dessous. Mais franchement les filles, voilà, ici enfin à Singapour il fait hyper chaud, donc c'est vraiment le genre de tenue qui est super agréable à porter. Voilà, c'est vraiment une longue chemise comme ça. Bon voilà, vous voyez que vous verrez sur le site internet qu'il y a plein de couleurs différentes, mais que je suis restée sur des couleurs, on va dire, assez un peu quand même passe-partout. Voilà le pantalon, comment il se présente. En même temps, il y a un peu de rouge, il y a un peu de jaune, mais voilà, ça reste quand même, on va dire, assez sobre par rapport aux autres couleurs. Le deuxième article que j'ai choisi, c'est une salopette. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, franchement, elle a l'air trop belle, le tissu a l'air trop beau. Et franchement, elle est vraiment très jolie, en tout cas, j'aime bien. Je ne portais pas de salopette, enfin de combinaison, mais depuis que je suis ici à Singapour, bah écoutez, j'ai testé et je trouve que c'est plutôt sympa. Celle-ci, elle est hyper fluide, hyper à l'aise et j'ai bien aimé un peu la coupe asymétrique comme ça. Le tissu est super frais, il a un beau tombé. J'ai également choisi cette longue tunique, j'aimais bien, je sais pas, ça m'a fait penser un peu à une genre de tunique marocaine, vous voyez les tuniques un peu larges, gandoura. Vous voyez, elle est vraiment super jolie, elle arrive en dessous des genoux, elle est aussi un peu asymétrique et franchement elle est top, le tissu est top, les finitions sont bien. Et alors le dernier article que j'ai choisi, c'est cette robe ici que je porte. Enfin c'est pas vraiment une robe, c'est une je vais vous montrer ça après, c'est une tunique pour moi puisqu'elle s'arrête en dessous des genoux, donc je porte ça avec un pantalon. Mais pareil, elle est super belle, j'ai mis un sous-pull en dessous, étant donné que les manches sont 3/4, mais franchement elle est super top. Bon voilà, après j'aurais bien aimé prendre beaucoup plus d'articles, mais bon, je me suis dit 4 pour une première fois. J'avais peur de recevoir, voilà, comme dans Shinside, vous voyez 15-16 articles, et que sur les 15-16, il y en a 9 qui me plaisent et je sais pas combien qui ne me plaisent pas. Et on n'est pas du tout sur les mêmes prix que sur le site de Shein ou de Romwe ou d'autres sites chinois. J'ai l'impression quand même que c'est un site qui essaie d'être un peu plus voilà, un peu plus classe, qui propose des vêtements pour des jeunes filles, jeunes femmes, même femmes. Vous verrez qu'il y a plein de styles différents. Et puis on arrive à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et en tout cas que voilà, ça vous aura permis de découvrir un nouveau site internet. Donc j'ai un petit code promo pour vous que j'ai noté ici, puisque j'oublie pas mal de choses en ce moment, hein, moins 10% avec le code BH10 que je vous mettrai en barre d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à me dire l'article que vous avez aimé, ce que vous avez pensé du site internet si vous allez dessus, et surtout si vous aimez ce type de vidéo, c'est le plus important. Sur ce, les filles, prenez bien soin de vous, et les garçons aussi, vous savez qu'il y a un garçon là qui traîne quelque part ici, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.